Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Nous avons entendu des rapports selon lesquels on va mettre fin très tôt à l'obligation du masque. Beaucoup d'experts disent que c'est prématuré. Et ce qui est inquiet, c'est que selon les données scientifiques, on n'a pas suffisamment de données pour prendre cette décision. Et quand on demande directement, justement, si on peut enlever les masques, le docteur Yuni a dit que non, ce n'est pas encore le moment, c'est trop tôt. Il a dit, je pense, et je cite, je pense qu'il soit raisonnable de garder les masques et de réévaluer semaine après semaine. Un autre docteur a dit, c'est une décision terrible. Un autre médecin de l'hôpital des enfants malades a dit, il ne faut pas se presser. Alors, si la province n'écoute pas les chefs scientifiques, qui ils écoutent pour savoir que maintenant, le moment est arrivé pour enlever les masques. Le leader parlementaire sur un point de règlement. Oui, alors, bien sûr, nous avons écouté les responsables scientifiques. Et j'aimerais noter aussi que la chef de l'opposition est tellement occupée à changer d'avis. Une fois, elle veut plus de restrictions, une fois, elle en veut moins. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils ne sont pas d'accord. Alors, mais s'il faut qu'il y ait un gouvernement responsable, il faut faire ce qui est dans le meilleur intérêt pour la population de l'Ontario. Et c'est ce que nous essayons de faire à chaque instant, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous sortons de la pandémie plus fort que jamais. Nous allons créer des milliers d'emplois qui vont rendre l'économie véritablement solide et qui vont faire en sorte que notre futur économique soit bien plus viable que pour d'autres pays. Alors, Monsieur le Président, malheureusement, je pense que le leader parlementaire du gouvernement a tort, car ce qu'un gouvernement responsable devrait faire pendant une pandémie, c'est d'écouter les scientifiques, de savoir quelles sont les données et les informations qui doivent guider nous vers la sécurité. Le Premier ministre n'a pas le soutien des experts scientifiques, il n'a que le soutien de ses experts à lui. Mais le docteur Luni a dit qu'il était surpris par cette annonce, qu'il n'a pas été consulté par cette annonce avant. Il n'a pas été consulté avant cette annonce et il dit que c'est une annonce qui n'est pas basée sur la science. Alors c'est quelque chose qui est préoccupant pour beaucoup de personnes et surtout pour ce qui concerne les plus vulnérables dans notre communauté. Donc si la décision de mettre fin à l'obligation du masque était basée sur la science, et bien clairement ce n'était pas le cas, où est-ce qu'ils ont pris les données si c'était le cas? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté le médecin hygiéniste en chef pendant toute la pandémie et je ne dois pas rappeler à cette Chambre que c'était l'opposition qui a voté pour licencier, en fait, le médecin hygiéniste en chef. Et nous avons dit non parce que nous avons besoin de conseils scientifiques, nous avons besoin d'un soutien scientifique. Et c'est pour cela que l'Ontario va sortir de la pandémie bien plus fort qu'avant et pour cela que des milliers d'Ontariens se trouvent maintenant à pouvoir faire face à la situation. Ils ont été vaccinés, nous avons répondu, nous avons mis en œuvre toutes les mesures qui étaient nécessaires, nous avons aidé à créer des emplois. Le système de la santé est reconstruit après 15 ans de mauvaise gestion de la part des autres partis. Nous avons amélioré le système de transport et nous essayons d'aider les milliers d'Ontariens dans toute la province. Et nous remercions les personnes dans notre province qui nous ont aidés à faire cela. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, le leader parlementaire du gouvernement ne raconte pas tout, on va dire ça comme ça. Nous avons sans doute appuyé le licenciement de l'ancien médecin hygiéniste en chef, mais pas le licenciement de ce médecin hygiéniste en chef. Attendez, arrêtez la pendule, dit le Président.
We're not even 5 minutes in. Ça ne fait même pas 5 minutes que nous avons commencé. Please restart the clock. Faites repartir la pendule. La chef de l'opposition. Oui, nous avons voulu que les démissions de l'ancien médecin hygiéniste en chef. Nous sommes tous fatigués de porter des masques partout dans toute la province. Mais, Monsieur le Président, on abandonne pas. Pendant le dernier kilomètre, les gens doivent comprendre sur quoi cette décision se basait et sur quelles informations on se base pour pouvoir prendre ce type de décision. Donc, le docteur Juni a dit ce matin que la décision était sur le fait de vouloir retirer la pression sur la population. Alors, pourquoi le Premier ministre donne priorité à son intérêt politique plutôt qu'au conseil des scientifiques et pourquoi il élimine le masque plutôt que nécessaire et plutôt que, en fait, on a démontré que c'est sûr. Alors, Monsieur le Président, nous avons vu pendant la pandémie que beaucoup de gens sont devenus experts en médecine. Alors, il faut comprendre ce que la chef de l'opposition vient d'admettre. Elle et son parti n'appuyaient pas ce que l'ancien médecin hygiéniste en chef conseillait au gouvernement. Ces conseils ont permis à l'Ontario d'être la meilleure administration en Amérique du Nord à répondre à la COVID. Ces conseils nous ont permis d'avoir plus de 90 % des Ontariens et Ontariennes à avoir le vaccin. Ce que l'opposition pensait qu'il n'était pas possible de faire. Et que fait l'opposition maintenant? Ils veulent faire tomber tout cela, parce que le docteur Horvat connaît plus de choses que notre médecin hygiéniste en chef. So I guess I'll remind the members again. J'aimerais rappeler aux députés que nous devons nous adresser à nos collègues avec le nom de circonscription ou le nom de leur ministère et non pas par leur nom. Les Ontariens, nos commettants, s'attendent à nous voir débattre de manière civilisée. Merci. Nous allons faire repartir la pendule. La chef de l'opposition. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Question Premier ministre. Mais je dois dire que véritablement, le fait de signer du doigt et d'appeler les gens par leur nom, c'est véritablement une mauvaise pratique. Arrêtez la pendule, dit le Président. Le gouvernement a l'ordre pour que nous puissions entendre la personne qui a la parole, et c'est la même courtoisie que vous vous attendez de la part des autres collègues, si jamais vous avez la parole. Let's try again. Restart the clock. Essayons. Encore, la chef de l'opposition. Encore une fois, je vais essayer d'être sérieuse dans cette Assemblée, Monsieur le Président, et c'est ce que le gouvernement devrait faire aussi. Donc, ma question est pour le Premier ministre concernant les préposés pour les services à la population. Alors, nous avons vu que c'était les gens qui ont répondu, qui étaient en première ligne, qui ont travaillé de longues heures, qui ont fini malades souvent, qui ont été très fatigués et traumatisés. Alors, il est grand temps, Monsieur le Président, que ces préposés puissent avoir des aides véritablement. Donc, ma question, c'est quand on parle des contrats temporaires qui ont été fournis pour les préposés, le ministre avait dit que le gouvernement ferait en sorte, et je cite, que nous allons attirer et maintenir ces travailleurs essentiels. Alors, ça ne devrait pas être nouveau pour le gouvernement que nous devons encore attirer et maintenir ces préposés. Alors, quand est-ce que le gouvernement va rendre les
paiement pour ces personnes permanent. Le leader parlementaire du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, alors nous avons dû faire des investissements dans le système de soins de longue durée, dans le système des préposés, dans les ressources humaines. Alors la chef de l'opposition a été ici bien plus longtemps que moi et elle sait très bien quelles sont les priorités. Pour ce qui concerne les préposés, nous reconnaissons combien ils ont été importants pour nous aider à traverser la pandémie, Monsieur le Président, mais ils veulent faire en sorte que les préposés puissent véritablement avoir aussi le soutien du gouvernement. Alors, dans la circonscription, par exemple, de la chef de l'opposition, nous avons investi plusieurs millions de dollars pour pouvoir améliorer les financements pour le système de santé et la chef de l'opposition a voté contre ces mesures alors que nous allions embaucher des milliers d'infirmiers, d'infirmières, des milliers de préposés qui sont véritablement la colonne vertébrale de notre système de santé, Monsieur le Président. Eh bien, la chef de l'opposition. Eh bien, Monsieur le Président, c'est véritablement le contraire. Le Premier ministre avait promis, en fait, de rendre permanent les salaires de ses préposés. Il a fait attendre les gens. Il a promis que leur contrat serait permanent, eh bien, il a promis il y a 523 jours. Et je vais citer ce qu'il a dit. Il a dit, c'est une garantie, nous allons le faire. Nous attendons encore le Premier ministre avec ses garanties. Alors, pourquoi le Premier ministre ne fait pas en sorte que ce type de contrat soit permanent pour les préposés? Le leader parlementaire. Il y a une grande différence, Monsieur le Président, entre notre gouvernement et celui qu'auraient mis en œuvre les membres de l'opposition, parce que, en fait, il n'y a aucune question sur le fait que nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour faire en sorte que les préposés puissent obtenir une rémunération supplémentaire pour le travail qu'ils font. Est-ce que c'était l'opposition qui a appuyé les mesures que nous avons appliquées au départ? Eh bien non, Monsieur le Président. Eux, ils ont tout simplement dit que, effectivement, les taux d'assurance ont diminué. Donc, ce qu'on fait, c'est que on embauche des milliers de préposés et on fait en sorte que ces personnes puissent travailler dans des organismes dont ils vont fiers et ce n'est pas uniquement quelque chose que nous faisons en parole. Eh bien, la promesse reste 523, il y a 523 jours, il a dit qu'il rendrait ce paiement pour la pandémie permanent pour les préposés, mais ce n'est pas toujours arrivé. Alors, il avait dit que ces personnes auraient bien sûr des paiements, donc des bonus, si vous voulez, supplémentaires, et ce n'est pas encore arrivé. Et il y avait aussi des travailleurs de première ligne qui ont été exclus. Alors, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que le gouvernement élimine le projet de loi 124 et qu'il puisse donner un salaire acceptable aux personnes. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes puissent obtenir ce qu'elles méritent, le leader parlementaire. Eh bien, tout à coup, la chef de l'opposition a compris que les investissements dans la santé sont importants. Et alors, tout à coup, c'est important de payer nos héros de première ligne. Et c'est ce que ce gouvernement a déjà fait. Mais la chef de l'opposition a voté contre 15 millions de dollars investis dans sa propre circonscription pour les organismes de soins de longue durée. Alors, si on doit parler de la santé dans cette province, c'est pour ça que nous avons commencé à créer des
les institutions pour les soins de longue durée. Voilà pourquoi nous construisons des hôpitaux partout. Alors, Monsieur le Président, nous le faisons parce que nous comprenons que c'est important non seulement pour les Ontariens, mais c'est un moteur économique pour la province. Si on nous demande d'investir pour le développement de l'Ontario, nous le faisons, c'est sûr. À l'ordre. L'opposition officielle à l'ordre. Prochaine question. Député de Scarborough Southwest. Merci. Question pour le Premier ministre. Barry, un de mes commettants, m'a écrit concernant un transfert d'un hôpital à un service de soins intensifs et de soins de longue durée après à cause d'une opération au cerveau très complexe. Voilà ce que Barry m'a écrit. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gouvernement? Une personne âgée qui a subi une opération et qui doit être transportée à droite et à gauche avant de pouvoir accéder aux soins. Il est temps que ce gouvernement donne aux aînés de cette province tout le respect qu'ils méritent. Fin de citation. Monsieur le Président, dans notre circonscription, nous avons souffert à cause du manque de financement, d'abord avec les libéraux et maintenant avec les conservateurs. Et on attend encore, on attend qu'on puisse répondre aux problèmes que nous avons vus souvent, des situations très similaires à celles décrites par Barry. Alors, ma question, Monsieur le Président, c'est quand est-ce que les aînés et la population de Scarborough va pouvoir obtenir sa part d'investissement pour le système de santé? Le leader parlementaire, oui, effectivement. C'est vrai que Scarborough a été ignoré par les libéraux lors de leur gouvernement. Ils ont eu 15 ans pour pouvoir investir dans cette zone et ils ne l'ont pas fait. Je suis content que la députée de Scarborough soulève ce problème parce que c'est une mauvaise gestion de la part des libéraux, alors que nous, de notre côté, nous sommes en train d'investir pour justement développer le système de santé aussi à Scarborough, où ils peuvent finalement avoir accès à des services. Alors, je sais que le député pour Scarborough, Agincourt, a travaillé tellement fort pour pouvoir obtenir ce qui était nécessaire. Les libéraux auraient pu le faire et ils ne l'ont pas fait, alors que notre député de Scarborough a véritablement fait tout ce qu'il pouvait pour sa circonscription. Arrêtez la pendule. On relance la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce ne sont pas les lits qui soignent les gens, ce sont les personnes qui soignent les gens. Nous avons un manque de médecins, d'infirmiers partout. Nous avons des travailleurs au Canada qui attendent encore que la province leur permette de pouvoir travailler et de pouvoir enlever la pression qui est actuellement sur notre système de santé. Nous avons beaucoup de migrants qui sont formés, qui sont venus en Ontario dans l'espoir d'une vie meilleure pour eux et pour leur communauté, mais se trouvent face à des difficultés quand ils essaient de travailler dans leur domaine. En 2002, on a parlé déjà de ces défis pour des milliers de médecins, de kinésithérapeutes, etc., et d'infirmiers qui ne pouvaient pas exercer leur métier. Nous sommes fiers de notre système de santé, mais maintenant nous devons construire et améliorer la capacité. Si nous pouvions le faire maintenant en pouvant aider ces personnes qui sont formées, qui ont été formées à l'international et qui pourraient justement mettre à notre service leur compétences. Merci, Monsieur le Président. Réponse. Le ministre du Travail a fait un travail incroyable pour assurer des gens qui sont tournés
formés à l'étranger soient reconnus ici en Ontario. Voici un peu d'informations. Ils vont voter contre toutes les mesures que vous adoptez, Monsieur le Président. Mais regardez la circonscription de la députée. On peut bâtir autant d'hôpitaux, mais si on a des gens qui peuvent travailler là, sauf si on a le financement, pourquoi le faire? Donc j'étais fier quand ce gouvernement et ces députés ont lutté pour s'assurer que dans la circonscription de cette députée de Scarborough-Sud-Ouest, 30 millions de dollars pour des foyers de soins de longue durée additionnels, afin qu'on puisse donner 4 heures de soins sous les libéraux, ce qui n'était pas priorisé sous les libéraux, et c'était fait par ce gouvernement et par ce caucus. Et donc, on respecte les préposés, c'est pourquoi on appuie et qu'on fait les meilleurs réseaux de soins de santé au monde, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Question suivante, le député de Perry Sound Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines, des ressources, richesses naturelles et des forêts. Ce n'est pas un secret que le gouvernement n'a pas aidé à la création d'emplois dans le Nord avec ses politiques. Le gouvernement libéral a réduit de l'aide au secteur minier, forestier et d'autres industries, ce qui a perdu à une décennie d'emplois perdus. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'on fait pour appuyer la croissance et l'industrie minière dans le Nord? Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Perry Sound Muskoka pour son soutien aux travailleurs, ce qu'il fait depuis deux décennies. Son, le travail d'amitié qu'il a fait pour le Nord, c'était vraiment incroyable. 150 emplois, New Mine Corporation, 800 emplois, Mine Evolution, 750 emplois, Pure Gold, 740 emplois. IM Gold, Côté Gold, 450 emplois. Argonaut Gold, le projet Marginaux, 350 emplois. Greenstone, le projet de Spring Gold à l'horizon. Il y a des choses importantes. D'abord, il y a des pressions positives sur ce gouvernement pour avoir des ressources additionnelles et aider aux municipalités, aux populations autochtones, afin qu'ils soient en bonne position d'avoir de la croissance et de la prospérité économique. À chaque fois qu'on demande des ressources additionnelles et des changements réglementaires, le gouvernement vote contre et dit non à la croissance du Nord. Le nouveau Parti démocratique n'aide pas le Nord, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les réussites mentionnées par le ministre démontrent qu'il y a vraiment une reprise incroyable du secteur minier et qu'il démontre que toutes les politiques du gouvernement ont aidé. Et ces projets être de bonnes occasions pour les collectivités autochtones et d'autres. Le gouvernement, par le passé, a parlé de son engagement, mais n'a pas pris des mesures concrètes pour le développement économique dans le Nord. Est-ce que ce gouvernement, le ministre peut nous dire comment ce gouvernement fait des projets afin qu'on puisse avoir la création d'emplois dans le Nord? Merci, Monsieur le Président. Hier, c'était la journée internationale de la femme et je n'ai pas pu mentionner des leaders autochtones, Thyssenhausen, la chef, d'autres chefs qui sont des chefs dans leur communauté qui, à l'automne, on a eu l'occasion d'avoir deux projets importants, le projet Equinox Gold, et pour l'emploi, des occasions d'emploi et environnemental, et le permis de forêt durable de Kanaunami. On s'est assis avec ces communautés, ces femmes, puis ça a mené dans le centre-nord de l'Ontario. Il y a tellement de bonnes choses qui ont lieu dans le nord de l'Ontario, dans les communautés autochtones. Ça fait partie de ces occasions environnementales et d'entreprises économiques. Et nous sommes très fiers d'appuyer ces femme chef autochtone. Une autre question au député Quinault. Miigwech, good morning.
Bonjour. On a appris que les services policiers de Thunder Bay n'ont pas enquêté de façon appropriée le décès de 15 personnes autochtones. Le Globe and Mail dit que le groupe d'experts nommé par le provincial va avoir un examen externe de 25 autres cas de femmes et filles autochtones assassinées ou décédées non expliquées. Les familles ont des proches qui sont décédés sans une enquête appropriée. C'est intolérable. Est-ce que le Premier ministre va expliquer pourquoi ce gouvernement n'agit pas quand les services policiers de Thunder Bay traitent les peuples autochtones comme moins importants et qui ne méritent pas des enquêtes policières appropriées? La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas être plus d'accord avec le député d'en face. Je suis très concerné, comme nous sommes tous et toutes, des rapports qu'on a suivis. Et on va suivre le coroner en chef et le pathologue en chef qui ont envoyé un rapport au procureur général qui l'examine en ce moment. Mais c'est impératif que toute enquête qui n'ont pas été faites entièrement, aient lieu immédiatement afin que ces familles comprennent exactement ce qui a eu lieu et les proches puissent avoir une appréciation que le système fonctionne pour eux et pas contre eux. Merci. Question complémentaire? Je sais le suivant. Le racisme tue des gens. En tant que peuples autochtones, on vit et on meurt avec cet élément-là. Le bureau du directeur d'examen indépendant des services policiers a trouvé du racisme systématique aux services policiers de Thunder Bay et a envoyé 44 recommandations. L'enquête de l'ancien sénateur Murray Sinclair a trouvé que il y avait du racisme systématique et qu'il soit dissolu. Le sénateur Sinclair a démontré une voie, mais on l'a ignoré. Aujourd'hui, je demande, est-ce que ce gouvernement va demander à avoir une commission d'enquête et va demander et demande la surveillance directe de la PPO des services policiers à Thunder Bay jusqu'à ce que cette enquête soit terminée? Réponse, la solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Dans la province de l'Ontario, on a bien sûr le commissaire indépendant des services policiers. J'ai envoyé une lettre à cette commission publique en demandant à ce qu'ils enquêtent entièrement la commission des services policiers et la police de Thunder Bay. On va faire des changements aux membres du conseil des services policiers pour assurer qu'on ait une représentation d'une grande partie de la population de Thunder Bay. On va continuer ce travail. La commission indépendante va continuer le travail, mais vous avez mon assurance en tant que gouvernement qu'on veut faire la bonne chose à Thunder Bay et on veut s'assurer que ce qui doit avoir lieu continue à avoir lieu, mais de façon indépendante. Question suivante, la députée de Scarborough-Guildwood. Au Premier ministre, merci, Monsieur le Président. J'ai envoyé à ce gouvernement et j'ai pris la parole dans cette Chambre à plusieurs reprises en demandant à des gestes et des mesures concrètes pour arrêter la violence avec armes et aussi deux de mes projets de loi 29 et 60 lois pour arrêter la violence des armes. Et le Toronto Star m'a appuyé. Ce n'est pas une question seulement légale, mais c'est une question de santé publique et a cité la médecin hygiéniste en chef de Toronto, la médecine hygiéniste de Toronto, où la violence avec des armes peut toucher les gens, leur santé mentale, et ça peut être cyclique et générationnel. À Scarborough, on a des douleurs de la violence armée
suite à au fait que dans une école, un élève de 18 ans a été frappé par des balles. On a besoin d'aide. Adoptez donc le projet de loi 60. Le ministre associé pour la santé, délégué à la santé mentale et à l'ordre contre les dépendances. On a du financement sur une base annuelle depuis 2019 de plus d'un million. Le financement pour avoir une expansion des services appropriés pour des cultures dans des collectifs toute la province. J'étais fier, comme j'ai dit plus tôt, d'aller à Tabou, le centre communautaire à Scarborough, pour annoncer 1,9 de nouveaux investissements pour avoir une expansion du programme contre les dépendances des jeunes Canadiens, Afro-Canadiens et des Caraïbes à de nouveaux endroits à Hamilton, North York, Peel et Ottawa. C'est des programmes pour aider les jeunes noirs et pour servir les jeunes francophones LGBT2S et ceux qui souffrent de traumatismes, y inclut la violence communautaire. Monsieur le Président, notre gouvernement est intéressé et veut appuyer toutes les Ontariens au bien-être et donner des soutiens dans 10 ans pour cela. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement doit comprendre que sa feuille de route ignore ces gens qui sont touchés par la violence aux armes. Et j'ai déposé le projet de loi 60 et quand j'ai demandé, le leader parlementaire du gouvernement a dit qu'ils appuieraient si cela avait du mérite. Bon, le Toronto Star, Santé publique Ontario et la population ontarienne ont dit que le projet de loi a du mérite. Plus important, des particuliers, des familles qui vivent avec la douleur de la violence aux armes pensent qu'il y a du mérite. La semaine dernière, ce gouvernement a fait avancer le projet de loi 86 au comité, un projet de loi important pour lutter contre l'islamophobie, ce que j'appuie. Je demande à ce gouvernement de traiter le projet de loi 60 avec la même urgence et de l'envoyer rapidement aujourd'hui. Il faut adopter ce projet de loi avant l'élection. Il faut que ce soit notre priorité. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement pense que le projet de loi 60, en reconnaissant la violence armée en tant qu'enjeu de santé publique, est important? Le leader parlementaire du gouvernement, si la députée demande qu'on tourne la deuxième lecture et l'envoie en comité, j'aurai grand plaisir à le faire. Question suivante. Le député de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Depuis trop longtemps, les foyers de soins longue durée de l'Ontario ont été négligés et ont été victimes du sous-financement chronique. Pendant la COVID, beaucoup de gens ont contacté mon bureau en disant que leurs proches dans les foyers n'avaient pas les soins nécessaires. Le gouvernement précédent a eu 15 ans pour investir dans les soins de longue durée, mais il fermait l'école et vendait Hydro One. De 2011 à 2018. Et ils ont seulement ouvert 600 nouveaux lits. C'est pourquoi notre gouvernement a avancé sur notre promesse d'avoir 30 000 nouveaux lits et de redéployer des nouveaux. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous dire ce qu'on fait pour appuyer la construction des lits de soins de longue durée dans la province? La ministre de l'Infrastructure, merci. Je vais recommencer en souhaiter une joyeuse fête aux députés. C'était son anniversaire hier. Et je veux reconnaître que le ministre des Soins de longue durée va ajouter des lits dans 4 établissements dans la ville de Toronto. Un, c'est Seven Oaks dans la circonscription du député. Comme le député a dit, la pandémie a eu un impact dévastateur dans les foyers de soins de longue durée, ce qui a souligné qu'il faut avoir plus d'établissements de soins pour les aînés. Et contrairement aux prédécesseurs, notre gouvernement prend des gestes en ayant plus de foyers de soins de longue durée dans la province. Suite à notre engagement pour bâtir en Ontario, on a utilisé le projet pilote accéléré
pour cibler la construction des foyers de soins de longue durée. Et on utilise des terres, des hôpitaux et des techniques pour bâtir des foyers qui sont urgents dans les zones urbaines de la province où il n'y a pas beaucoup de terres, comme vous le savez. Question complémentaire? Merci. Et merci à la ministre de sa réponse. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui mène le chemin quant à la construction des foyers de soins de longue durée dans notre province. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du gouvernement précédé qui a juste regardé quand ses lacunes avaient, comme la députée de Don Valley-Wesh voulait voir, était vicieuse à avoir des problèmes. On ne veut pas être vicieux, il faut qu'on ait un gouvernement qui réponde aux problèmes de capacité et qu'on prenne des mesures additionnelles pour équiper les foyers avec de l'équipement pour préparer les résidents pour les menaces futures de la pandémie. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure peut nous dire quel projet travaille son ministère pour aider les communautés qui en ont besoin? Merci. Réponse la ministre de l'Infrastructure. Par le programme accéléré, on réduit la paperasse administrative et on aura 4 nouveaux foyers dans la Grande Région de Toronto. J'étais avec le premier ministre Ford et le ministre Calandra à Ajax pour faire l'annonce. Dans 13 mois, les résidents à Ajax ont vu la fin de la construction et la semaine dernière, Lake Richard a reçu les clés de son nouvel établissement. Le processus établi par le gouvernement précédent exigerait en moyenne 8 ans pour bâtir un foyer de soins de longue durée dans la province de l'Ontario. Ce n'est pas acceptable, Monsieur le Président. En plus du foyer de Lake Ridge, on a 3 foyers de soins de longue durée, un à Amber River, à l'hôpital Amber River, et 2 avec le partenaire Trillium. 1200 nouveaux lits dans la grande région de Toronto, ce qui est le double que ce que les libéraux ont bâti pendant 15 ans. Nouvelle question de la députée de Windsor-West. Ma question s'adresse au premier ministre. Comme beaucoup de députés le savent, le pont ambassadeur dans ma circonscription était bloqué, ce qui a fermé la traversée transfrontalière la plus importante en Amérique du Nord. 6 milliards de dollars n'ont pas traversé. Les travailleurs n'ont pas pu avoir accès à leurs emplois et beaucoup d'entreprises ont été obligées de fermer leurs portes. La semaine dernière, ce gouvernement a annoncé 1,5 million de dollars pour les entreprises à Ottawa. Et je veux remercier mon collègue d'Ottawa Centre qui a pris la parole à parler aux entreprises tandis que les députés conservateurs sont cachés. Mais ma question est suivante. Quand est-ce que ce gouvernement va aider la population de Windsor pour défaire des coûts financiers causés par la blocade du pont? Réponse, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme, de la culture. Et je n'aime pas la notion quand j'ai passé 4 semaines sous occupation, des proches et des amis ont traité avec l'occupation et moi et le ministre responsable des services aux enfants et à l'enfance et aux services sociaux communautaires, on a passé au téléphone. C'est pourquoi, après 4 longues semaines, de fermeture sous gouvernement. Ce gouvernement a débloqué 10 millions de dollars à Ottawa pour aider les PME. 1,5 million de dollars au tourisme à Ottawa pour refaire la réputation, pour défaire les dégâts de cette occupation. Pour démontrer que Ottawa et l'Ontario étaient sur la bonne voie. C'est une question insultante de dire qu'on n'était pas présente. À chaque jour, on travaille avec le maire Watts et le bureau du premier ministre. Merci. La députée peut s'asseoir. Question complémentaire. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question complémentaire. La députée de Nepean était partout. Mon des collègues de l'Ottawa Centre étaient dans un lobby d'hôtel où les convois ont mis un incendie pour donner de la sécurité aux gens dans cet édifice.
J'ai parlé à beaucoup de propriétaires de PME qui ont souffert à Windsor West, qui ont souffert des effets à long terme de du bloc, et beaucoup vont parler du blocus. Beaucoup ont envoyé les travailleurs sans salaire à la maison et beaucoup de gens n'ont pas à refaire. J'ai demandé d'avoir du financement pour ceux qui ont été frappés par le blocus, du financement comme Ottawa. Les gens de ma collectivité méritent d'avoir un gouvernement qui les appuie pendant une époque difficile. Ma question, c'est pourquoi ce gouvernement ne veut pas donner du financement attribué pour les travailleurs et les PME dans ma circonscription Windsor-Est pour les aider à survivre du blocus. Et j'aimerais leur poser plutôt que la ministre se félicite. La ministre du patrimoine, je veux corriger la croyance, je pense qu'elle parle la réalité. Il y avait une occupation de 4 semaines qui a fermé le centre-ville de la capitale nationale. On a suivi le chef du gouvernement fédéral, 1,5 million de dollars. Et je veux dire, j'étais à des réunions avec le député d'Ottawa-Vanier, des entreprises dans sa communauté. Vous étiez, qui n'était pas là? C'était le député d'Ottawa-Centre. Il n'était pas là pour parler aux entreprises. Il est un consommateur. En étant aux manchettes, mais si la députée veut parler, je l'assure, j'ai parlé la semaine dernière à l'entité de Windsor Heights et 400 millions de dollars sont pour défaire les dommages à la réputation de la ville de Windsor suite au blocus de pont pendant 2 semaines, pas le blocus de la capitale. Il faut restaurer la réputation de la ville d'Ottawa et protéger la démocratie. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Order. À l'ordre. Once again, I'll remind. Encore une fois, je rappelle aux députés de faire des commentaires en s'adressant à la présidente, pas directement. J'aimerais continuer la période des questions, si ça serait possible, si ce n'est pas un inconvénient pour trop de gens. Redémarrer la pendule, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'Ontario a devant soi une crise de santé mentale et d'abordabilité du logement. Les deux sont reliés. On estime que 50% qui ne sont pas logés ont un problème de santé mentale. Les professionnels de santé mentale disent clairement que la façon la plus facile d'améliorer le bien-être des gens et la qualité de vie, c'est de leur donner du logement sécuritaire et abordable. Du logement abordable avec des soutiens de santé mentale. Notre stratégie de santé mentale et verte donne du financement pour 60 000 unités. Est-ce que le Premier ministre va appuyer notre plan en dévoilant les fonds au budget du printemps pour qu'on construise 60 000 logements dans la décennie à venir? Ministre des Affaires municipales et du logement, merci. Je veux remercier le député de Guelph qui pose une question vraie de l'opposition ici à l'Assemblée législative. Je veux attirer sur le succès que le ministre Thibault et qui peut faire des commentaires sur la santé mentale. Ça va ensemble, le député a absolument raison. C'est pourquoi, au début de la pandémie, notre gouvernement a travaillé avec diligence sur le fonds de soulagement des services sociaux qui a donné beaucoup d'argent aux nos partenaires municipaux pour qu'on traite la population plus vulnérable. J'étais avec Louis Panchef. On a parlé de consolidation des programmes sur l'itinérant pour que les programmes soient plus accessibles pour nos partenaires municipaux et bâtir sur
le succès existant en donnant plus d'argent aux partenaires municipaux. Encore une fois, on espère que ce parti de ce député nous appuie dans la demande de sa juste part au gouvernement fédéral. Si on avait l'argent que le fédéral nous donnait, c'est-à-dire ça pourrait changer comment on fait les choses. Question complémentaire. Que ce soit clair, Monsieur le Président, la crise du logement s'empire, ça va pas mieux. Plus de 16 000 personnes en Ontario n'ont pas de logement à chaque soir. Si on veut que le gouvernement investisse dans le logement, la province doit répondre à l'appel aussi. C'est pourquoi exactement je demande à ce gouvernement de débloquer de l'argent dans son budget du printemps. Un investissement dans le logement, c'est la façon la plus responsable comme approche de composer avec cette crise. Pour chaque dépense de 10 $ sur le logement, on a une épargne de 21 $ et 72 cents dans la justice sociale, des soins de santé et d'autres coûts. Mais ce qui est plus important, l'amélioration à la qualité de vie des gens et à leur bien-être mental n'a pas de prix. Donc nous savons que la solution, c'est du logement permanent avec des soutiens. Et je demande au ministre du Premier ministre, le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, est-ce que vous êtes engagé à créer 60 000 logements avec soutien dans le budget du printemps? Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Comme on a mentionné, le logement fait partie des soins continués. Et c'est pourquoi on a bâti la feuille de route du bien-être pour composer avec des choses, gestion du retrait, traitement, logement avec soutien et toute autre forme afin qu'on puisse aider les particuliers. Les déterminants sociaux de la santé doivent être traités. Depuis 2019, on a investi plus d'un milliard de dollars en des soutiens de santé mentale pour les jeunes en particulier. C'est vraiment un investissement historique au nom de ce gouvernement et de la province de l'Ontario. Les investissements qu'on a faits font partie de 3,8 milliards de dollars d'engagement qui a été fait au début et qui va continuer à faire des investissements pour assurer que cette continuité des soins continue. Mais jusqu'à ce qu'on ait cette continuité de soins, il faut investir que les gens partout dans la province ont l'aide qu'ils méritent. Merci. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas secret que le couloir de l'autoroute 6, c'est l'autoroute à deux voies la plus occupée. Il a un volume de 23 à 26 000 véhicules par jour. Et cela continue à augmenter. Depuis 15 ans, les concitoyens de ma circonscription à Perth Wellington et des communautés environnantes ont demandé aux libéraux de conduire la voie de contournement de Morriston, qui réduirait le temps de voyage, les bouchons, mais les libéraux ont dit non. Et donc, je pose la question au ministre des Transports. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour avancer ce projet très important? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Perth Wellington pour la bonne question. Monsieur le Président, nous savons tous que la voie de conformement de Morriston va changer vraiment la donne pour les résidents. Même si les libéraux avaient eu 15 ans pour avancer ce projet, ils n'ont pas avancé. Ils l'ont laissé être à l'étagère, comme pour beaucoup d'autres projets d'infrastructures critiques, ceux qui ne nous ont pas annulés. Nous faisons des choses différemment. On dit oui au développement important. Et les résidents de la région de Halton seraient contents et d'autres régions de savoir qu'on va avancer ce projet qui devient une réalité. La phase 1 du projet de l'autoroute 6 et de la voie de contournement Morristown a été complétée en 2021. Et on a pris une nouvelle mesure avec contrat pour la phase suivante. On a fait plus de progrès dans la voie de contournement de Morristown que les libéraux ont fait en 15 ans. On s'engage à voir ce projet pas dépasser d'autres jalons jusqu'à ce qu'on fasse. Question complémentaire?
Merci, ministre, pour la réponse. Monsieur le Président, le taux de trafic sur l'autoroute continue à augmenter pendant des décennies. Au lieu de répondre au problème, le gouvernement libéral a dit non. Et selon les recommandations des députés, les conducteurs sont coincés sur ces autoroutes pendant des heures. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce que ce changement va aider à la circulation? Merci pour la question. Monsieur le Président, la population de cette zone continue à augmenter rapidement afin de se rendre à un point A, à un point B. Il y aura des temps d'attente, bien sûr, et donc c'est la raison pour laquelle nous devons bâtir ces établissements et le contournement les permettra à se déplacer de Hamilton jusqu'à Guelph. Et cela va aussi réduire les impasses pour se rendre dans les rues locales. Si nous ne prenons pas des mesures aujourd'hui, la situation va se détériorer. Et l'autoroute 401 est une autoroute qui est très occupée en Amérique du Nord et notre gouvernement dit oui à la voie de contournement et à d'autres mesures afin de réduire les impasses dans la province et je suis tellement fière de cela. Réponse. Prochaine question de député de Yorkdale-High Park. Merci. Je pose la question au premier ministre. Après un mois de la promesse du premier ministre, qu'il y aurait un accord concernant les centres de soins de garde, et cela fait déjà trois mois depuis qu'ils ont signé l'accord. Cependant, ce gouvernement n'a pas répondu à l'appel. Cela continue à affecter la population, notre communauté, et je pose cette question. Qu'est-ce qui vous prend tant de temps à le faire? Ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Le premier ministre continue à soutenir les contribuables de l'Ontario afin de s'assurer que nous recevons un deal, un accord de préférence de 10 $ par jour. Ces financements seront disponibles et le gouvernement ne va pas signer un accord qui va augmenter les frais de garde en Ontario. Nous allons continuer à travailler pour l'équité, un accord juste afin que les familles dans nos circonscriptions peuvent bénéficier de l'accessibilité. C'est la raison pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied. Nous soutenons les familles de cette province. Complémentaire. Monsieur le Président, les familles en Ontario ne peuvent pas payer leurs factures. Ils ont besoin d'un accord depuis déjà des mois de cela. Le gouvernement Ford, à cause de leurs décisions, les familles continuent à payer davantage pour payer leurs factures. Tout en attendant, comparément à d'autres provinces qui ont déjà reçu cet accord. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à s'attendre à ce que les familles puissent payer beaucoup plus à ce que le premier ministre et le ministre puissent accomplir son travail? Si les députés du Parti libéral et néo-démocrate voulaient le faire, alors ils n'auraient pas contrecarré les mesures du gouvernement qu'on avait adoptées afin d'aider ces familles en Ontario. Si vous vous souciez de ces familles et du taux de l'inflation, alors vous auriez dû soutenir la loi sur les crédits pour les services de garde ici en Ontario, ce qui aurait remis jusqu'à 1 250 $ aux familles. Mais ils ne l'ont pas soutenu. Ils se sont opposés contre cette mesure. Nous continuons à soutenir l'accessibilité et l'abordabilité pour les familles et nous allons le faire d'une manière constructive afin que les familles puissent recevoir des frais de 10 $ par jour pour les services de garde. Prochaine question.
temps. C'est-tu donc bien le fun quand on peut changer les règles comme on veut, surtout quand on ne veut pas qu'elles s'appliquent à nous. In 2019, this government passed legislation that... En 2019, une loi a été adoptée qui allait pénaliser le premier ministre et le ministre des Finances si le budget n'était pas disponible à temps. Le ministre des Finances a annoncé qu'ils vont annuler cela. Mais aujourd'hui, ils changent les règles. Et cette redevabilité était en place afin de s'assurer que ces ministres étaient tenus responsables. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Pourquoi est-ce qu'ils changent les règlements afin de sauvegarder le haut premier ministre ou au ministre des Finances 15 000 $ parce qu'ils n'ont pas fait un travail assidu? Réponse. Leader parlementaire du gouvernement. Comme vous le connaissez, le budget est un peu en retard cette année afin d'évaluer de manière adéquate et de travailler avec nos partenaires. Je vais vous rappeler que son parti a voté contre cette motion la semaine dernière. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement continue à éviter cela en délivrant un budget qui sera disponible jusqu'en avril. Et ils veulent peindre une image qui est fautive. Où donner leur argent est au gouvernement. Ils parlent bien sûr de son propre gouvernement. The premier keeps telling Ontarians that the worst place to give their money is government. He is, of course, talking about his own government. Bien sûr, il parle seulement de son propre gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à délivrer le budget jusqu'en avril au lieu d'en mars? Député d'Aurora, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement est transparent en termes des étapes de la province et c'est la neuvième mise à jour que ce gouvernement fournit à la population depuis le début de la pandémie, contrairement au parti de la députée libérale. Les Ontariens méritent un plan essentiel de relance qui est basé sur l'exercice et une planification moderne. Nous l'avons déclaré que nous allons chercher les mesures justes pour les Ontariens afin qu'ils reçoivent des avantages et que la vie soit beaucoup plus abordable, contrairement au gouvernement précédent qui était appuyé par le Parti néo-démocrate. Rappel à l'ordre. Prochaine question, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. J'ai un commettant jeune dans ma circonscription qui s'appelle June. Elle est une fille brillante et elle aura 7 ans en avril. Elle a été diagnostiquée de l'autisme en 2017. En 2018, le député de Nico Belt a demandé à la Chambre, dans le cadre d'un manque de financement. Ses parents ont été... Ils ont dit à ses parents qu'ils devaient attendre jusqu'à 6 mois d'attente afin de recevoir ce financement. Et June attend depuis plus de 4 années. Plus de 4 ans. Afin de recevoir des services qui sont appropriés à ses besoins. Et la liste d'attente monte en flèche dans cette province depuis que le gouvernement conservateur a été élu. Combien de temps est-ce que June et les autres enfants doivent attendre? Notre gouvernement est engagé afin de s'assurer que les enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. Nous avons doublé les financements jusqu'à 6 millions de dollars par année. Nous avons plus de 40 000 enfants qui reçoivent ces services à travers des programmes différents.
Nous nous assurons que les enfants ont besoin, le reçoivent et que les familles le reçoivent aussi. Nous avons ajusté les attentes, les temps d'attente pour les gens et pour les personnes en termes des documents qu'ils ont fournis. Nous continuons à écouter les experts et leurs recommandations et afin d'arriver à atteindre notre objectif. Nous sommes sur la bonne voie. Nous comprenons la frustration suite au leadership du gouvernement précédent. Et nous avons augmenté notre capacité à répondre aux besoins de ces enfants. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au Premier ministre. La ministre a parlé de 600 millions de dollars dans le budget. Elle n'a pas mentionné, cependant, le pourcentage de 56 % qui n'a pas été déposé. Je pense qu'il parle d'avoir des enfants dans le système, mais ils ne reçoivent pas l'aide nécessaire. Le gouvernement conservateur a retenu des millions de dollars, 134 millions de dollars en 2020. Et je veux vous rappeler que le Premier ministre avait promis cela. Les familles, comme les familles de June, ne peuvent pas continuer à attendre. Ils vivent dans une crise. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à réduire et faire des coupures dans les financements? Est-ce que le gouvernement va soutenir les familles, comme les familles de June, qui ont été diagnostiquées par l'autisme, afin de recevoir des soins nécessaires? Il y a plus de 15 000 enfants. Réponse, ministre des services à l'enfance. Nos programmes ont été développés par la collectivité, par la communauté autistique, et nous avons plus de 5 fois d'enfants qui reçoivent des soutiens comparément au gouvernement précédent. Nous sommes sur la bonne voie pour arriver à notre objectif. Et le rapport est seulement une partie de l'image complète. Nous anticipons que nous allons atteindre cet objectif en financement pour ces enfants et pour leurs familles qui les méritent. Prochaine question, député de Durham. Merci. Je pose la question à la ministre des Transports. La dernière fois que j'ai pris la parole concernant le métro GO Train de Bowmanville était en février 2020. Nous souhaitons que la pandémie va changer en endémie, donc ce qui veut dire que les travailleurs retournent à travailler en présentiel. Plus de gens veulent savoir ce qui se passe dans le métro GO Train à Bowmanville. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Réponse, merci. Je remercie la députée. Je sais que cela va changer les choses dans sa communauté en élargissant le service de métro GO Train. Je veux vous rassurer que ce gouvernement veut aussi progresser et avancer ce projet parce que la région de Durham continue à croître de manière exponentielle et nous savons que les commettants ont besoin de services qui sont beaucoup plus rapides pour répondre aux demandes de cette population. Nous continuons à adopter des initiatives et des projets pour ces communautés. Nous avons reçu un accord avec les entreprises et je vais partager ces données très bientôt avec la Chambre. Complémentaire, merci. Je remercie la ministre pour ses efforts concernant ce projet. Je me rappelle de notre première discussion lorsqu'elle était devenue ministre des Transports. Et les gens à Durham attendent depuis longtemps
Et la compagnie Metrolink a déjà mentionné que cela fait partie de leurs priorités, surtout dans un moment où le prix de l'essence continue à augmenter, et donc ce qui veut dire qu'il faut mettre à jour ces services de transport public. Donc, quand est-ce que cela va être accompli afin de construire ces stations? Merci. Je comprends la frustration de la députée. Et l'extension est en place depuis plus d'une décennie. Mais les libéraux n'avaient pas adopté de bonnes mesures afin de finaliser le projet. En 2016, le premier ministre et le député de Don Valley West ont déclaré qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette région et qu'il faut répondre à cette situation. Sous le leadership du premier ministre Ford, nous avons formalisé un accord, ce qui démontre notre désir d'accomplir cela. Et nous avons adopté des mesures préliminaires pour commencer à compléter ce projet. Nous disons oui à délivrer des services dans la zone de Durham et d'Oshawa. C'est la fin de la période des questions. La députée a un rappel au règlement. Je veux juste rectifier quelque chose. Je pense que j'avais dit le député de York, Ottawa Centre, avait parlé de sécurité dans un hôtel, mais en fait, c'était dans un appartement privé. Intervention du président, c'est exact. Vous pouvez rectifier ce que vous avez dit en faisant un rappel au règlement. Rappel à l'ordre. Nous avons une bonne nouvelle. Je veux souhaiter à Nicole. Je veux féliciter Nicole parce que son fils Frédéric est né hier. Aujourd'hui, de préférence. Nous avons une proposition de motion de clôture sur le sous-amendement à la motion concernant des amendements au règlement. Il y aura une sonnerie de 5 minutes.